Partagez, 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 partagez. Oh. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez ou partagez, 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 partagez ou partagez. Partagez la bière glacée sur le comptoir. Il y a une bière très glacée, bien glacée au comptoir, hein. Venez boire ici, c'est gratuit. Venez, venez boire, c'est gratuit ici, là. C'est gratuit dans mon bar. Venez, venez. C'est gratuit. Merci beaucoup pour les cœurs. C'est gratuit. Gratuit. Ok, à 30, 30 ou 40, je lance. La bière est gratuite dans mon. Hey, qu'est-ce que je fais? Gâter mon direct. Gratuit, c'est gratuit. Abonnez, partagez, je vous en prie. Partagez, partagez. Chap, 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 chap. Chap chapeau, chap 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 chapeau. Le comptoir du légué est ouvert au pardon. Chap chapeau, chap chap, allons-y, chap 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 chap. Je sais que c'est lundi aujourd'hui. Beaucoup sont au travail, beaucoup guettent par la fenêtre. Chap 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 chap. Chap chapeau, chap 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 chap. Mettez les cœurs alors les filles, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Chap, 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 chap. Chap, chap. Chap, chap. Mettez les cœurs. Chap, 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 chap. Voilà. OK. Bonjour, bonjour mes adorés. Bonjour. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je vous souhaite tout d'abord bon début de semaine. Que la main du Seigneur vous accompagne partout où vous irez durant cette semaine. Et que ceux qui n'ont pas pu manger le week-end dernier ou qui en ont besoin, que le Seigneur puisse faciliter la main qui va les donner à manger. Que les malades soient ceux-là qui vont retrouver la santé et que ceux qui ont rejoint l'au-delà aillent en paix. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine. C'est vrai, depuis vendredi, je n'ai pas réagi parce que j'étais en déplacement. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui aime peut-être qu'on fasse les directs
chez lui. Et quand vous allez quelque part, il faut respecter le lieu où vous allez. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de direct, j'ai rien fait. J'attendais d'abord de rentrer avant de lancer le direct. Par contre, j'ai regardé pas mal de directs que j'aimerais donner mon point de vue au fur et à mesure. Il y a par exemple les problèmes, les histoires de Léa Campbell, où elles ont l'habitude d'exposer les vies des gens. Si quelqu'un pète, elle vient appeler sa soco et puis elle verse sur la toile. Bonjour Martine, elle verse la vie privée des gens sur la toile. Commençons déjà par dire qu'on ne tient pas un bloc avec la vie privée des gens. On peut faire ce que nous appelons le gossip, le petit Congo ça là, mais on ne tient pas un bloc ou bien fait un commerce avec la vie privée des gens. Merci d'être là, ma chérie. Avec la vie privée des gens. Donc, j'ai dit, je vais donner mon point de vue là-dessus. Et les deux principales concernées, c'est Aïcha et Léa Campbell, parce que c'est les deux qui sont toujours en train de fouiller dans la vie privée des autres. Parce que vous allez me dire, oui, le cinéma ne paye pas, mais aujourd'hui, on entend que vous êtes au Cameroun en train de tourner. Vous tournez et qu'est-ce qui va vous payer? On ne sait pas. Et il y a le direct de Monsieur Messan, que j'ai aussi regardé hier pendant mon retour. J'ai pas tout regardé parce qu'à un moment, on n'avait plus de réseau, mais j'ai quand même regardé une grande partie où il s'exprimait. Il exprimait son ras-le-bol en rapport avec Groné. Moi, je vais dire ici que ne soyons pas surpris de l'attitude de Groné aujourd'hui. Le fait que Flore soit venue passer sur votre chaîne, Monsieur Messan, a suscité la haine, a suscité la colère, a suscité pas mal de choses envers la juju de votre femme, la supposée juju de votre femme. Mais je ne crois pas que ce soit ça vraiment un facteur parce que avant que Flore ne vienne passer sur votre chaîne, il y a pas mal de voix, même des photos qu'elle a filmées chez vous à votre insu pour le montrer à une tierce personne. Monsieur Messan, est-ce que vous saviez que Patrice avait filmé vos pieds chez vous et l'a envoyé à quelqu'un? Parce que quand tu reviens, tu me chauffes tout comme ça. Je n'aime pas tes choses là, hein. Il t'a dit d'abord chez qui j'étais. Et puis quand il va te dire, tu vas me faire quoi? Hein? J'étais chez mon beau-frère. J'étais chez mon beau-frère en Allemagne. Donc il y avait messe d'action de grâce. Du papa de sa femme aussi, quoi. Donc je voulais dire que, Monsieur Messan, est-ce que vous saviez que Patricia est venue chez vous sur votre invitation. Elle a filmé votre maison. Elle a filmé vos pieds, qu'elle appelle les pieds de la panthère, qu'elle a envoyé à quelqu'un. Vous ne le savez pas. Il y a pas mal de choses qui ont été dites à votre encontre par cette dame que vous avez logée chez vous pendant quelque temps et nourrie. Et moi, je veux dire que, Patricia, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais la déception est totale. La déception est totale. Pourquoi? Parce que l'impression que tu nous as donnée sur la toile, aujourd'hui, j'ai comme impression que je rêve. Je t'ai cherché partout. Je t'ai même écrit. Tu ne me réponds pas. Regarde dans ton Messenger, Passy. Qui me connaît, ma soeur? Comment tu peux dire ça? Qui me connaît? Hein? Chaque fois, quand je fais une vidéo ici, je te mets en copie toujours. Bon, copie, j'ai déjà commencé à faire de l'administration. Je te tague toujours, mais tu ne réagis pas. Je me posais bien la question de où tu étais passé. Florence Tchatchouan. Tu n'es pas obligé d'être là, ma puce. Tu n'es pas obligé d'être là. Je peux te ficher la paix, mais tu n'es pas obligé de venir regarder dans mon direct, maman. Parce que je n'insulte personne ici. Ce sera facile pour toi que tu invites quelqu'un chez toi qui vient filmer tes pieds à ton insu pour donner à quelqu'un qui ne te connaît pas.
ou bien qui filme ta maison, ou bien qui dans ton dos dit des choses insensées. Ici, le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est dans un cadre amical. On parle de l'amitié ici. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Parce qu'à la fin, c'est à ça que retourne le conseil que nous sommes en train de donner ici. Parce que parlons pour gagner après, parlons pour en tirer quelque chose de positif. On ne parle pas pour détruire, non du tout. Déjà que si tu as déjà suivi mes directs, dans mes directs, je suis assez objectif dans ce que je fais. Voilà, je suis objectif dans ce que je fais. Comme pour dire que s'il fallait le faire demain, je le referais. Tu n'es pas obligé d'être là. Voilà. Donc, je disais tantôt que apprenons à garder le peu de dignité, le peu de respect que nous avons envers ceux qui, un jour ou l'autre, ont pris du temps pour nous. Tu ne peux pas aller chez un monsieur comme celui-là, filmer ses pieds, filmer sa maison. Tu as dormi là. Ils t'ont logé, nourri. Je crois pendant 15 jours, si je ne me trompe pas, parce que quand je regarde le poste avec Aline, vous étiez là-bas pour 15 jours. Même si les pieds étaient comment, ton problème, il est où? Hein? Ton problème, il est où? Impassible. Moi, je n'aime pas ce que tu fais là. Hein? C'est elle qui a filmé les pieds. Moi, je n'étais pas là. Je dis ce que j'ai vu. Parce que je n'aime pas ça. Oh. C'est que tu es ma quota. Donc, je voulais dire qu'aujourd'hui, on se retrouve que sur tous les gens, tout le monde que tu appelles les tatas si sur la toile, les ma personne, tu as cassé du sucre sur le dos de tout le monde. C'est pas ça une amitié. C'est ça qu'on appelle. Une hypocrite est cette personne qui rit avec tout le monde et qui parle de tout le monde avec tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train d'être là aujourd'hui. Tu as parlé de tout le monde. Ne sois pas pressé. Il y a les voix de Doudou Ngamba qui arrivent. Il y a les voix de Nelly Linda qui arrivent. Il y a tellement de voix qu'on ne sait même pas. Toutes les blogueuses là sur la toile, tu as cassé le sucre sur leur dos. Et celle que tu appelles Reine Mère Bio que tu aimes trop là, ça sera l'apothéose, ma chérie. Ça sera l'apothéose. Ça sera l'apothéose. Aujourd'hui, tu es avec. Ah, Passy, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, tu es avec Élise Battante. Mais ce que tu dis d'Élise Battante, j'ai le voice ici avec moi que je vais mettre tout à l'heure, on va écouter. C'est ce que tu dis d'Élise Battante. Mais on a comme impression que c'est ta petite soeur. Tu n'as pas besoin d'aller faire le voice à quelqu'un pour parler d'Élise Battante. Si tu veux parler d'Élise Battante, tu l'appelles sur son téléphone. Tu lui dis ce que tu penses et tu lui donnes le conseil que tu peux donner. Tu donnes le conseil que tu peux donner, que d'aller plutôt là, je sais pas, là verser chez quelqu'un d'autre. Tu entres ici, tu dis des bêtises. Tu entres là-bas, tu dis des bêtises. Pour toi, l'amitié, c'est quoi alors? Tu sèches ton caleçon où le soleil brille, quoi. Donc, quand quelque chose t'arrange, tu es avec. Quand ça t'arrange plus, allez, tu prends la clé des champs. Moi, je suis pas en train de comprendre. Moi, je crois que, bon, qu'on m'excuse, les milliardaires n'ont pas le temps de s'asseoir pour dire des choses inutiles. À 23 heures, tu dis être femme mariée, tu es dans le téléphone de quelqu'un pour lui donner les conclusions d'un Congossa. Tout le monde qui est en train de gesticuler, qui sort et défendre, qui dit ça, qui dit ça, voilà son voice. Je mets tout de suite. On écoute ensemble. Mais ça, tout de suite, on écoute ensemble. Bonjour Maoura, je viens causer avec toi par rapport à tout ici là en inbox avec toi. Ma chérie, tu sais quoi?
Il faut laisser le problème de ton moulin. Le problème de ton moulin n'est pas simple. Quand tu vois à quel point la prostitution détruit ces filles-là, ça a complètement détruit Élise. Élise est une petite fille, hein? C'est une petite fille. Mais c'est sur elle que tu vois alors les effets machiavéliques de la prostitution. Toi, tu espérais quoi, Ola? Tu penses qu'on quitte la prostitution comme ça, on sort du camion et on fait les fumées et après on va bien? Toi, tu ne vois pas que ton moulin est complètement détruite? Elle est détruite, ce n'est pas simple. Toi, tu espérais quoi? Que les fumées allaient changer ça? Que je viens, je fais les fumées, j'ai changé mon image, j'ai changé de vie, c'est facile. PDG des outres qui a créé il y a 10 entreprises n'arrive pas toujours à changer son image, n'arrive pas à sortir du piment. Ora, il faut que tu comprennes que c'était une évidence. Regarde même celle qu'elle idolâtre, celle qu'elle imite, PDG des outres. Depuis plus de 2 ans que PDG des outres est dans les entreprises, elle ceci, cela, elle est toujours au bord de la prostitution. Elle est toujours dans le même métier. Elle ne peut pas s'en. On ne s'en sort pas comme ça que tu te lèves un beau matin, tu t'en sors, tu fais les fumées et ça y est, tu n'es plus waka. Tu n'es plus. Tu crois que c'est ça? Est-ce qu'elle a soigné l'alcool? Toi, tu ne vois pas que tout le souffre d'un grave taux d'alcoolisme et tout ça? Tu ne soignes pas l'alcool. Tu ne soignes pas complètement la prostitution. Et toi, tu rêvais que les fumées devaient enlever tout ça. Toi, tu ne vois pas que tout le monde est malade. Elle souffre gravement. Toi, tu crois que tu croyais qu'elle devait venir comme ça la faire les fumées et tout devait être rose. Tu blagues? Elle va laisser des fois 10 voices successifs. Je vais t'envoyer ça. Des captures. Par exemple, là, on était le 10 novembre 2020. Elle me parle de Élise, ma tante, et de la veuve joyeuse avec qui je la vois flotter là-bas dans les ténèbres. Chacun aura sa dose. Patricia, je t'avais dit de m'éviter. Je vous dis souvent de m'éviter. Quand vous me poussez à bout, vous ne reconnaissez plus que c'est vous qui avez commencé. Je continue. Ma chère Ora, il faut aussi savoir autre chose. Mais les directs, là, qu'on n'arrange pas les, toutes ces filles-là, c'est quoi ces histoires quand tu fais les directs, tu finis toute une bouteille en entier. Non mais attends, de toi à moi. Il n'y a que Joie qui réussit ça. Même Joie, quand tu vois, elle finit saoule. Toi-même, tu vois que Joie, elle saoule du matin jusqu'au soir. Mais Ora, toi, tu vois pas que les filles-là ne vont pas bien, hein? Mais le Waka a détruit considérablement ces filles-là. Il faut pouvoir le dire. Comment quelqu'un peut faire le direct? Elle fait 1 heure de direct. Elle finit toute la bouteille seule. Joie, pareil. Élise, pareil. Et comment après toute la bouteille, elle ne va pas danser nue? Elle commence à danser nue. Ça, c'est quoi ça même? Les fumées ne pouvaient pas réparer tout ça. Ne pense pas que tu vas faire les fumées, tu vas réparer. Et puis ma Ora. Vos histoires de mari, là, moi, je ne comprends pas. Le gars, là, veut me dire qu'il est là dans cette maison, il ne peut pas arracher le téléphone. Il ne peut pas éteindre. Il a sa part de Facebook là-bas, non? Il ne pouvait pas éteindre. Je ne sais pas, entrer dans le Facebook de sa femme, éteindre et arrêter sur Facebook là. Il ne lit pas les commentaires. Il se lit. C'est le mari de Lise. Il se lit les commentaires. Il ne pouvait pas éteindre. Il est obligé de laisser Élise boire, continuer à boire en direct. Il veut me dire qu'il ignore comment Élise est quand elle est sous. Même Lolo, quand Lolo boit un peu, mais Lolo dégame. Lolo, quand Lolo sous, mais c'est grave. Plusieurs Lolomaniens savent ça. C'est pour ça que plusieurs Lolomaniens n'acceptent même pas que Lolo boive. Lolo boit quand elle va dans les fêtes. Mais c'est quoi ça même? Vous ne supportez pas l'alcool. Vous utilisez l'alcool pour faire vos délits. Mais c'est vos maris encore qui vous laissent boire devant les gens. Ah, dis donc. Franchement, comme j'ai écrit là sur ta page, ne pense pas que les fumées. Ça aurait été très beau, Ora. Ça aurait été très beau que bon, elle arrive, elle a changé son image, elle fait les fumées. Et même d'ailleurs, c'est quoi de faire même les longueurs de direct? Élise Batan peut faire un direct de 15 minutes, 20 minutes. 20 minutes, c'est tout. Tu montres comment tu fumes, tu salues tes fans, tu causes 2 minutes, 20 minutes, après, c'est tout terminé. C'est quoi les directs de 4 heures de temps? 4 heures de temps en direct, 3 heures en direct, tout ça, ça sert à quoi? Mais tu sais pas que pendant 3 heures de temps, tu dois boire au moins 4 bouteilles de vin? Non, mais il faut d'abord comprendre. Réduis d'abord la taille des directs. Tu es en direct pendant 4 heures de temps, mais après tu finis par terminer tout l'alcool, après tu finis sous. Qu'est-ce qui impressionne les gens? Après tu finis nu. Voilà,
On continue, hein. Et je répète, entre chaque voice là, je vais faire les captures de quand je vais t'envoyer. Tu vas voir qu'on fait. Quelqu'un peut laisser 12 voices à quelqu'un, l'autre ne répond pas. Je pense que cette fille a un problème psychologique. Et des dossiers comme ça, mais j'en ai des centaines. Là, par exemple, on est sur Messenger. Tu ne réponds pas sur Messenger. Elle part encore sur WhatsApp. Recommencer en quoi te laisser les voix sur le même soi-disant dossier. On peut être milliardaire et être oisive à ce point. Elle avait sous-estimé le poids de mon cervelet. Moi, je finis par comprendre que ce n'était pas ce qu'elle me disait. On continue. Mais combien de fois Joie-Joie elle-même a fini? Le jour Joie-Joie elle-même me clashait. Elle était sous. Elle était sous. Tu penses qu'on peut résoudre ça comme ça là? Il faut résoudre l'alcoolisme. Il faut une aide psychologique même. Même pour sortir même le waka. Tu waka même. Si d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs, on se casse même la tête pourquoi? Peut-être que c'est le confinement qui fait que les filles là, sont en train de faire de préparer la nourriture. Quand le confinement va finir, Lise va reprendre son waka. Il faut déjà la motivation. Est-ce qu'elle était d'abord motivée même pour sortir d'abord du waka? Est-ce qu'elle est motivée pour même faire les fumées là? Les fumées là, peut-être que c'est les fumées de la crise. Qui sait? Vous pensez que c'est facile? On sort du waka comme ça, sans soigner, sans une aide psychologique, sans un mari qui t'aide, et toujours alcoolique. C'est quoi l'alcool même? C'est quoi les directs à la con? On soigne une drogue par une autre drogue? Pour elle, Elise doit faire des directs de 20 minutes, tout au plus. Et puis stop. Elle-même fait des directs de combien de minutes? Elle-même fait des directs de combien de temps? Voilà. C'est fait ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je répète, elle a sous-estimé le poids de mon cerveau. C'est pour ça qu'elle n'a pas compris que je me sois retirée. Sauf que, en fait, c'est tombé juste. Ça a coïncidé avec son événement. Je n'ai rien contre les événements. Déjà, vous m'avez déjà vu dans des soirées. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas aux soirées. Je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un de solitaire. Je suis casanière, foncièrement casanière. C'est pour ça que les intérieurs, j'essaie toujours de faire en sorte que ça soit le plus agréable possible, puisque je passe la plupart du temps chez moi. Soit je travaille, soit je suis chez moi. Vous me verrez rarement en vadrouille. C'est même mon état de santé qui a fait en sorte que je commence à marcher. Il faut que je marche. J'ai des pas à faire par jour. J'ai pris une évite médicamenteuse. Faites pour chier, c'est pas dire que j'ai le VIH. Je troquerai volontiers le VIH que tu me dis là contre toutes mes pathologies là qui me font souffrir. Tu as déjà passé des nuits sans pouvoir dormir parce que tes pieds fourmis, ça chauffe. Tu mets les chaussettes au congélateur parce que toutes mes extrémités nerveuses sont mortes. Tu sais ce que c'est? Des traitements qui te font même plus mal que la maladie. Le VIH, c'est quoi? Apparemment, ils prennent un cachet ou deux cachets où tu commences la trithérapie, après tu finis avec un cachet. Et t'avais dit de m'éviter. Élique, mets les mains. Je suis capable de te faire exploser ici sur Facebook. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne dis jamais derrière le contraire de ce que je dis devant. Et à aucun moment, j'ai été haineuse sur Facebook. Moi, quand je donne mon avis, je donnais mon avis surtout sur les business des gens. Et des fois, pour donner conseil à quelqu'un d'autre qui est en train de lire. Hein. Voilà. Je ne connais pas ces gens. Je ne les connais pas. Je vais même aussi t'envoyer le truc de Patricia Matiquet. Même le Linda. Comment s'appelle sa copine Linda là? Je vais aussi t'envoyer tout ce qu'elle pense d'elle. On continue. Ça va pour finir avec ce fameux petit dossier. J'en ai les dossiers. 2 ans avec un perroquet. Là, elle est sous. Là c'est sur Messenger. Elle m'a laissé ce jour-là. 10 novembre 2021. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça se suit. Hein. Je vais te faire capturer l'écran parce que moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai des défauts, mais moi, je ne mens pas aux gens. Tout ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'elle laisse un voice, elle attend ma réponse. Non. Elle laisse. Tu ne réponds pas. Elle n'est pas sortie là-bas dans ton WhatsApp. Voilà. Il est trop subi. Tu ne peux jamais, Aura, soigner une drogue par 2 autres drogues. C'est-à-dire que tu dis que tu veux arrêter le waka. Maintenant, d'arrêter le waka, tu sors du camion, toi tu t'assois maintenant sur les directs. C'est aussi une drogue. Tu t'assois sur les directs et tu as de l'alcool. Mais ma chérie,
On soigne le waka avec l'alcoolisme elle n'est même pas concentrée pour prendre ses commandes. Non mais attends, elle ne peut pas faire les fumées. Où est la concentration pour prendre les commandes? Où est le mari pour écrire les commandes? Les gens téléphonent. Où est, elle peut noter. Elle n'arrive pas à noter. Elle est concentrée soit sur le japap, soit sur son alcool qu'elle est en train de boire. Mais comment les gens vont l'aider? Pour te concentrer, pour prendre les commandes, il faut te concentrer. Il faut écrire, il faut un mari à tes côtés, un secrétaire. Il est là, il fume, il fait ceci, il fait cela. C'est comme ça que vous devez vous organiser. Non, c'est l'alcool. Tu prends les commandes et t'en souffles. Tu vas rappeler les gens là quand. C'est un peu logique qu'elles finissent comme ça. Tu vois, par exemple, le dernier voice qu'elle a laissé là. Je t'ai dit que je vais t'envoyer la capture d'écran. Quand elle dit voilà, en fait, quand tu dis voilà, c'est tu réagis à quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Pourtant, elle laisse tous ses voix. En fait, c'est comme si elle monologue, mais en même temps, elle interagit. Le tout dernier voice, tu entends, elle dit voilà. C'est un peu comme si je lui avais dit, ok, je suis d'accord. Mais non. Elle monologue toute seule. Cette femme a un problème. Je l'appelais même fille. Je croyais que moi, peut-être que je suis âgée de 5 ans de plus que Patricia. Ce sont ces faussettes-là qui vous trompent. C'est une vieille mère. J'ai vu sa date de naissance. Là. Elle est née longtemps avant moi. Elle est née longtemps avant moi. Elle est née en 77. J'ai finalement vu ces trucs-là. C'est clair qu'il ne m'a jamais intéressée. Voilà. 1, 2, 3. 10 novembre. 1, 2, 3. Ça, c'était le matin. L'après-midi, il a encore eu un autre dossier. Christian Minou. Bon, ça, on va en parler après. Voilà, it's over. Ok, vous avez écouté tout le voice. Non, le direct n'est pas arrêté. Ça tremble un peu. C'est comme si c'est attaqué. C'est comme si le direct était attaqué. Donc, voilà tout ce qu'elle passe le temps à dire. Telle personne. Non, 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 je ne me suis pas endormie. Le direct a un peu bugué là quelque temps. Donc, du coup, je parlais plus bien. Parlait plus bien. Donc en fait, je mets ce direct, j'ai mis ces voice pour écouter jusqu'où peut aller quelqu'un quand la personne ne vous porte pas dans son cœur. Pour vous dire combien de fois un hypocrite peut vous tuer en riant avec vous. Parce que ça, ce que je vois là, c'est de l'hypocrisie. Hein, Patricia, tu es hypocrite parce que tu ne peux pas être en train de dire aux gens d'être bien avec les gens, de rire avec eux. Vous êtes ensemble dans les directs et tout, donner des conseils, et après, voilà ce que tu dis. Voilà comment tu casses le sucre sur le dos de quelqu'un. J'appelle ça comme ça.
En ce moment, il y a tellement de voix sur des choses que tu as dit sur, tu as dit sur les gens. Tu as dit sur les choses sur Tata Doudou. Tu as dit sur Nelly Linda avec qui tu marches. Oui. Nelly Linda avec qui tu es tous les jours. Tu as dit des choses. Et après, il faut encourager, venir insulter les gens sur la toile. Les gens sont sympathiques. Pourtant, tu es pire que ces gens-là. Aujourd'hui, il y a une différence et une très grande différence entre Flore et toi. Parce qu'au moins, Flore prend le temps de dire ce qu'elle pense. Flore, si elle t'aime pas, elle dit qu'elle ne t'aime pas. Tu vois? Si elle est avec toi, elle est avec toi. Mais toi, tu montres aimer tout le monde et en même temps, tu détestes tout le monde. Voilà un peu comment tu es. Pindia, tu dis que Patrice est quoi? Patrice est épervier. Toi là. Hein? Pardon, mettez les cœurs. Le direct est en train de trembler, je vous en prie. Pardon, mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, je vous en prie. Je vous en prie, mettez les cœurs. Pindia, tu dis que Patrice est quoi? Patrice est épervier. toute la haine qu'elle a pour le couple Messan, je dis, c'est parce que le couple Messan. Déjà que cette haine existait depuis, elle ne l'avait pas extériorisée. Maintenant, elle l'a extériorisée parce que le couple Messan a laissé Flore passer dans leur direct. Flore est un être humain comme toi, ma chérie. Tu n'as rien de plus que Flore. Tu n'as rien de plus que Flore. Elle est un être humain comme toi. Donc, elle a aussi droit à sa part de gâteau comme toi. Avant que tu n'arrives là, c'était son père avant. Donc, finalement, tu ne prends que les restes de Flore. Finalement, tu ne bouffes que ses restes alors. Tu ne prends que ses restes. Si on veut bien comprendre. Parce qu'elle était avec, elle était avec Messan. Tu es venu t'installer. Avec le couple complet, complet. Tu es venu t'installer après. Elle était avec Renmio, Renmebio. Tu as pris tête de papa. Maintenant, avec Kwetu Ténèbres. Tu avais Kwetu Ténèbres. Tous ceux-là ont été avec Flo. Nelly Linda. Tu as récupéré. Tout cela était avec Flo. Donc, tu prends que ses restes, en fait. Finalement, tu n'as pas d'amis à toi. Tu n'as pas ton amitié que tu as créée à toi. Pourquoi c'est avec les amis des autres que tu te fais des amis? Pour moi, ça veut dire que tu as un manque d'assurance. Tu as un manque de personnalité. Tu es obligé de t'approcher des amis d'une autre personne pour t'en faire des amis. Hein? Je vais revenir sur le cas de Léa Campbell et Aïcha. Parce que ça, c'est deux personnes qui ont pour diplôme sur la toile de décortiquer la vie privée des autres stars, alors qu'elles ont leur propre vie. Elles ont pour but, tout ce qu'elles offrent à leurs abonnés, c'est la vie de Muriel Blanche, de Poupie, de Daniel Song. De ci, de ça, c'est tout ce qu'elles ont à offrir aux gens sur la toile. Et on va revenir là-dessus parce que il faut arrêter de vous acharner sur quelques personnes qui essaient de sortir la tête de l'eau. Oui. En attendant que j'ai les voix sur Doudou Ngamba et sur Nelly Linda, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc d'ici le soir ou demain. On va refaire un direct parce que plus les voix vont arriver, je vais venir faire les directs pour vous mettre au parfum. Sinon, la page est en train de trembler. Donc, du coup, là, je ne veux pas qu'on signale ça. Sur ce, je vous aime bien. Bonne journée et à plus tard.